Salut les stations fréquences, l'émotion 13 côté à vous tous de la part de Dandy 33, et c'est reparti pour le QSO national du canal 27. Alors, on est le vendredi 19 février, et comme à chaque fois, une petite vidéo. Alors, qui c'est qui est en fréquence? Bien Philippe. Les bandes 73 Philippe, oui j'ai vu ton message sur internet. Alors ça y est, ton antenne est remontée. Ah oui, moi aussi. Là, est-ce que là tu m'as avec un Santiago de 4, hein, donc là il n'y a pas de souci, oui ça marche bien là. Et bon, pour la radio elle est excellente, hein, c'est une radio très propre, très pure, un peu feutrée. On voit que y a du bon matériel derrière, Hachi. Ok, et bien tant mieux, alors si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi aussi là. Allez, je reste stand-by quelques secondes, voir si... mon avis, il doit y avoir du monde derrière, là. Tu reprends et puis tu fais comme d'habitude. Ok, ça marche. Alors, les autres stations en fréquence, Eric, tu dois pas être très loin. Alternatif, 73-51 à tous. Les invités, Rémi, bonjour madame. Et je salue Philippe aussi que j'ai entendu derrière, voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Allez, à toi, Rémi. Oui, affirmatif, les bandes 73 à toi, et t'as vu, hein, la propague en ce moment, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est pas grave, on a ce QSO là pour nous rattraper. Pas de problème, voilà. Ok, voilà, mais écoute, s'il y a d'autres personnes derrière, vas-y, c'est rentré. Hein. Ouais, c'est un petit peu tôt, hein. Là, voilà, il est maintenant, voilà, 21h03. Bon, le temps que les gens s'approchent, arrivent, break. Justement, à propos de break, alors les petits messages, là, sur Internet. On doit avoir Claudie, tu sais, le plus grand de l'équipe, là, qui va à Marraine. Bon, il s'est lancé un petit défi ce soir et il voudrait essayer de nous avoir en fréquence. Lui, son QTH, c'est sur le 16, hein, c'est ça. Hein, je sais plus de quel côté exactement, mais c'est sur le 16. Il y a aussi Pascal, 14ODR001, qui est actuellement chez Bernard, 14 unités francophones, 01 également, sur Royan. Donc, ils vont essayer là aussi de nous avoir ce soir. Peut-être qu'ils sont déjà derrière la porte, là, je sais pas. Autre chose, toujours au niveau des OM. Alors, je sais pas si tu as vu, Eric, sur le forum, il y a un OM. Alors, son pseudo, c'est Xand. Alors, lui, je lui souhaite bon courage pour nous avoir. Là, il faudra vraiment un gros coup de propague pour qu'il puisse participer au QSO. Et il doit être en fréquence derrière de son côté, sauf que si pour nous il est 21h, presque 5 maintenant, pour lui il est pratiquement 16h05. Et son QTH c'est la Guadeloupe, comme quoi le QSO national du Canal 27 intéresse du monde. Ben, affirmatif, oui, c'est vrai, je viens de voir ça sur le forum, voilà. Mais ça peut passer, ça suffit que la propague soit là, hein, parce que la Guadeloupe, c'est couramment qu'on y arrive. voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, mais écoute, retour à notre station, c'est Philippe, c'est ça? Ouais, affirmatif, retour sur Philippe. Ok, merci Rémi, oui, bonjour, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Voilà, comme je disais à Rémi, j'ai remonté l'antenne, j'ai pas pu être présent le week-end dernier, j'étais à l'écoute. Hein. Alors je n'entendais qu'un seul, c'était Rémi. Sur la directive, sur l'antenne directive, je n'entendais que Rémi. Donc je ne me suis pas signalé. En revanche, il me tardait ce week-end pour pouvoir remonter l'antenne. J'ai
sur une antenne directive que j'ai montée. Et puis donc, la semaine de boulot, ça n'a pas été évident, donc j'ai pas pu m'occuper de la verticale. Et là, ce soir, je suis rentré du travail. Je ne sais plus quelle heure c'était, 16h30, 17h. Et j'ai mis chimie, là, j'ai remonté ma mantovanie turbo que j'avais mis au placard depuis un an environ. Je vais remonter là sur le pylône, donc elle est à 15-16 mètres. Et j'espérais, je croisais les doigts pour que ça fonctionne. Ouais, mais quand même, elle est bien réglée, donc tout va bien. Et puis je vous écoute mieux qu'avec l'autre. Légèrement mieux, on va dire, par rapport à l'Antron 99 qui était rafistolé de partout. Là j'ai quand même une antenne un petit peu plus convenable, on va dire. Voilà, mais je vous écoute bien, c'est impeccable. Autant Rémi que Eric. À toi, Eric. Pas de soucis, mais tant mieux, que tu sois avec plaisir, que tu sois avec nous aussi, voilà. Voilà, allez, à toi, Rémi. Ok, toi j'ai repris trop vite le micro, je viens de me rendre compte, hein, car à chaque fois justement on nous rappelle que les CD blancs, oui je sais, venez me taper sur la tête, peut-être que ça rentrera mieux. Achille, Philippe, rappelle-moi ton indicatif s'il te plaît, mes excuses, je les appelle. Oui, c'est 14 Roméo Charlie 021. 14 Roméo Charlie 021 sur le département 40. Oui, oui, ça pour le département 40, il n'y a pas de souci, hein, je m'en étais bien souvenu, mais c'est l'indicatif que j'avais zappé. Alors, tiens, Eric, j'ai marqué 33, voilà, et j'ai encore repris le micro trop vite, et je vais finir par le croire, hein, que je suis une grande gueule là-dessus, quoi. Si, à chaque fois tout le monde me dit que c'est moi qu'on entend, je suis pas tout seul, moi, dans le QSO, chi trois coups. Alors voyez un petit peu si certains vont réussir à remporter leur défi. Claudie, voilà, j'ai vu ton message. Si tu nous entends, les 913-51 à toi, Claudie, on te laisse une petite place pour voir si tu arrives à passer, en espérant qu'il ne soit pas encore trop tôt pour toi. Alors vas-y, Claudie, si tu nous entends, en avant. Pas de Claudie, ou tout du moins on ne l'entend pas jusqu'ici. Alors attention, 14 unité, 14, oui, unité francophone 01 ou 14 ODR 001 pour le sud-ouest de France, à votre écoute. Attention le secteur de Royan, attention 14 unité francophone 01, attention 14 ODR 001, attention Claudie pour le sud-ouest de France, là qui vous lance appel. Bon, rien pour le moment, on verra tout à l'heure si ça veut bien le faire. Bon, je serais bien tenté d'appeler la Réunion, mais là, vu la propax, ça ne va pas le faire. Alors, il y a Tonton 37, là, qui est aussi, là, qui est sur sa région, ben, le département 37, là, sur en attente, là, du QSO. Et là, c'est la personne de son côté, quoi. Eh bien, Tonton 37, hein, je sais pas si tu nous entends, mais bon, bon courage, hein. Tiens bon la rampe, t'as du monde qui va arriver. Alors, est-ce qu'il y a d'autres OM, là, qui veulent rentrer dans le QSO? Eh, qu'on ne dise pas qu'on laisse pas de blanc, hein. Aïe aïe, eh ben juste avant, moi c'est plutôt le cappuccino que j'ai pris, quoi.
Bon, d'accord. Là, c'est plus qu'un blanc qu'on a laissé, là. Eric, je ne sais pas si tu as vu, là, en ce moment, sur Internet, là, on est en train de parler, là, d'un nouveau, je ne sais pas trop, j'ai pas trop regardé quand est-ce qu'il est sorti exactement, d'un nouveau RCI de 1970 N4. Tu as vu un petit peu, là, ce qu'il en est, là, la puissance qui sort? C'est celui qui fait 400 watts. Affirmatif. Ouais, ok, pas de soucis, ouais. J'ai vu que cet après-midi, vous étiez en discussion sur le président Georges. Oui, ben je vais venir au suivant, toi. Philippe, tu l'as vu, toi, un petit peu, là, tu l'as jeté un peu plus près, là, le nouveau, là, le RCI de 1970 N4, là, avec ses 400 watts, c'est, ça fait costaud, hein. Surtout quand tu vois la taille du poste, qui est pas plus gros qu'un 3009, hein. Ouf, ça doit être une vraie chaudière, le truc, hein. J'ai vu quelques infos passer par-ci par-là, mais je m'y suis pas intéressé. J'utilise pas de poste CBI ou quoi que ce soit, donc je m'intéresse plus au poste décamétrique. Mais après, oui, mais ça, bah, écoute, ça risque de fonctionner, ça risque de chauffer aussi. Déjà, les anciennes versions, là, RCI 29, je sais plus, c'était quoi, 2950 turbo, 2970 turbo, là. Chauffer pas mal, mais bon, écoute, 400 watts, c'est pas mal quand même. 400 watts, ça serait pas mal, ouais, effectivement. Après, il faut voir, ça devrait fonctionner, je pense. Ça devrait fonctionner, il n'y a pas de raison. J'entends une station depuis tout à l'heure, là, je sais pas s'il veut rentrer dans le QSO, on va laisser un petit blanc, là, la station, bonsoir. J'ai l'impression qu'il y a un QSO en parallèle, là. Ça doit être d'autres collègues sûrement sur d'autres régions qui sont également en QSO sur la même fréquence. Mais il y a une station avec un Roger Beep qui m'arrive très fort, hein, je sais pas. Mais bon, il ne fait que des Roger Beep, donc pour l'instant, il n'a pas encore repris, il n'a pas parlé. Voilà, non, je ne me suis pas vraiment intéressé au poste, mais écoute, je suis connecté là, en même temps, je vais aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que ça doit être la même chose que les autres RCI, avec un peu plus de watts, là, tout simplement. Ça a l'air intéressant quand même. Écoute, je te repasse le micro, je vais voir ça de suite là. Il va falloir que je ne sais pas si le forum, là, si on peut s'inscrire, si tout le monde peut s'inscrire, là, tu vas me dire ça vite fait, Rémi, s'il y a possibilité de que je m'inscrive également à la retour. Alors, de toute façon, les forums, les inscriptions sont toujours gratuites, hein. Et hors connexion, tu peux quand même voir les infos, hein. Surtout en ce qui concerne les postes. Hein. Oui, ça je me doute, oui. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que je peux, enfin, je ne sais pas, parce que je dois pouvoir sûrement trouver des infos sur d'autres sites. Mais le forum, je ne sais pas si c'est le forum ODR ou quoi, là, que vous parlez tout le temps, je ne sais pas si je peux me faire partie du groupe, je peux me m'inscrire là, au retour. Excuse-moi, ta question m'a un peu surpris, là. Mais tout le monde est le bienvenu. Que ça soit... J'ai compris. Oui, c'est vrai, avec Pascal, on a remarqué un petit peu ça, du fait que son forum à Pascal s'appelle Les Ondes du Routier, ça crée des fois une petite sélection et certaines personnes n'osent pas y aller. Et c'est pour ça que moi, à mon tour, pour combler, justement, pour récupérer en même temps les gens qui ne veulent pas trop aller du côté du sien, et il est très bien pourtant, hein, parce qu'on y parle bien plus radio que de routier. Hein, et
Donc on s'est rendu compte avec Pascal que depuis que j'ai ouvert le mien, la plupart des EOM que j'ai sur le mien ne sont pas sur le forum de Pascal. Alors ce qui fait que son forum, les ondes du routier, le mien, la planète Sibis francophone, ça fait absolument pas du tout doublon. Ils sont au contraire complémentaires l'un de l'autre. On s'échange des infos, bien entendu, et tout ça. Donc pour le forum de Pascal, il n'y a pas de souci, il est ouvert vraiment à tout le monde. Hein. C'est SWL, Sibiste, Radio Amateur et autres, tout le monde est le bienvenu dessus. Hein. Alors, ouais, ça a baissé parce que c'est une radio de 3, Santiago 3, radio 4. Ouais, et comme j'ai un petit QRM de mon côté, ouais, c'est du 43, quoi. Voilà, je remets les choses à l'endroit. C'est du 43 de mon côté, mais ça passe encore, il n'y a pas de problème. Hein. Là, je suis très bien ce que tu dis, il n'y a aucun problème. Ok, ouais, ça remonte un petit peu, là, tu vois. Le passage avant, je te perdais complètement, et là, tu as remonté un petit peu. Ouais, si la propagation, là, c'est marrant, à courte distance, ça joue aussi. Hein. D'ailleurs, ça m'arrive assez souvent de discuter avec des copains en local, mais à, on va dire, à 50-60 km. Et il y a des jours où on arrive à se perdre complètement dans le QSO, et on se retrouve quelques secondes après, ça chute et ça revient aussitôt. Et pourtant, on s'écoute à 59 plus 10, 20 dB. Et l'autre soir, tu vois, j'ai discuté avec un OM là, qui est pas très très loin, enfin qui est à 60 km environ. Et la prompte, c'était la première fois que ça m'arrivait avec lui là. Et d'un coup, le signal a commencé à chuter. Et il n'y avait plus de signal du tout. Et c'est remonté 59 plus un petit moment après, comme quoi. La propagation qui monte et qui descend là ce soir. Ok. Mais je vais aller faire un tour là. Je le vois, je suis j'ai tapé sur Google là pour le RCI 2970 M4. Je le vois là. Je l'ai devant les yeux. La belle machine là. Voilà. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai l'impression que sur les vidéos là, j'ai l'impression que moi je vous écoute très très bien. Par contre, vous avez peut-être du mal à m'écouter là. Alors je sais pas combien de puissance vous utilisez, autant les uns que les autres. Mais il y a des fois je me pose des questions là. Retour, Rémi, tu peux me dire à peu près combien tu envoies de puissance? Oh, je dois être un petit peu au-dessus de 4 watts, ouais, ça doit être des 4 watts un peu fort, ouais, je pense. Ouais, ça doit être autour de ça, hein. C'est vrai que la propag est vraiment bien, hein. Ça, c'est vrai qu'il n'y aurait pas la propag, là, ça, on n'arriverait pas à se copier, hein. Effectivement, ça a remonté. Tu es descendu tout à l'heure à Santiago 3, tu es remonté là à Santiago 5, hein. Donc c'est à nouveau du 55, là, de mon côté. Ouais, bon, pour les 4 watts, t'as bien compris, hein, je plaisante, hachi. Ok, bon, je ne saurais pas, alors je te dirai pas combien je t'envoie, ça restera un secret, alors, ok. D'ici, attends que je regarde, d'ici 10 minutes. Voilà, il me reste 10 minutes là de vidéo. Après, oui, je pourrais te le dire. Il y en a, quand ils vont écouter la vidéo, ils vont rager un peu. Mais c'est pas grave. Parce que, comme j'ai dit, sur un OM, comme j'ai dit, là, un OM là, sur Facebook, l'avantage de la CIBI, c'est que, eh bien, les par rapport à Internet, c'est que sur la CIBI, les paroles s'envolent. Alors que les écrits restent. Et sur une vidéo, là, ça fait plus que rester, quoi. Hachi. Oui, ok, je comprends, pas de soucis, ouais. Alors, de toute façon, on est tous pareils, hein. Moi, c'est pareil, j'ai 4 watts, et encore, j'ai poussé un peu, je dois être à 4 watts et demi. Mais, ok, pas de soucis, hein. Je vais attendre un petit moment. Voilà, allez, mais tu fais tourner, là. Je vais
n'est pas monopolisé. Mais c'est vrai que la propagation montée des femmes, je t'entends un coup prévient, un coup ça chute, c'est remonté, mais c'est pas encore remonté comme tout à l'heure, pour moi, du moins. Je te repasse le micro, tu es tombé sur Eric, que j'ai coupé quand même le petit tout à l'heure. Ok, d'accord. Et ouais, donc là, ouais, on parlait du poste. Ouais, effectivement, 400 watts. Mais au niveau gabarit, il a rien d'exceptionnel. Hein, il est exactement comme les autres RCI avec le radiateur en dessous, quoi. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Et par contre, celui-ci, il couvre en version bridée, il couvre deux bandes. Le 12 mètres et le 10 mètres. Donc après, bon ben, on voit un peu la plage de fréquence qui couvre. Ok, retour de micro sur Eric. Ok, merci pour le retour de micro. Oui, j'ai vu ça, 400 watts. Par contre, ça doit tirer pas mal, hein, l'ampérage, je te dis pas, si t'as tiré d'avoir quelque chose de costaud. Alors, je me rappelle plus si il faut la livre ou alors si la. Si j'ai déjà auto-alimenté sur le 220 avec le transfo, je ne sais pas du tout. Voilà. Par contre, la propague a chuté drôlement. Là. Du côté de Philippe, là, c'était bien au début, là, ça a baissé drôlement. Voilà. Allez, retour à toi, Rémi. Ok, voilà, je vais laisser un blanc. Ben, déjà, si je te dis qu'il est équipé d'un fusible de 50 ampères. C'est c'est costaud. ouais, ok, tout à l'heure tu me disais là que sur Facebook, là sur le groupe, là on parlait là justement là putain, je retombe dessus, du Georges. Ouais, ben oui, comme tu as vu là, j'ai pris les photos, je l'ai ouvert, j'ai pris l'intérieur en photo car j'aime bien voir comment c'est l'extérieur. On va dire que le papier cadeau peut être joli, mais après l'intérieur, on sait pas trop ce que c'est, quoi. Et justement, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc j'en ai profité pour un kilo QRA là pour le prendre en photo. Et je l'ai mis sur le groupe et oui, c'est parti d'une discussion de il y a 44, 45, 46, il y a 47 commentaires hein, déjà. Quoi. Tu vois comme quoi ça valait le coup de le mettre. Hein. Et certains web justement ont mis des liens qui sont assez intéressants quand même. Hein. T'as pu remarquer, alors que ce que je te disais, de suite, t'as les deux verres à un méchant qui sont séparés, t'as dû le voir. Ah, il m'a semblé entendre quelque chose derrière. Je vais quand même dire enregistrer le break, mais je suis pas sûr du tout. Hein. C'est vraiment noyé dans les QRM. C'était peut-être un poil aigu. Je sais pas. Oui, j'ai vu ça. Justement, j'ai récupéré là toutes les infos. Voilà. J'ai le plan là maintenant là qui s'affiche. Alors je vais essayer de le montrer à l'écran. À la caméra, je sans pour autant la décrocher. Ah oui, non, on voit rien, c'est pas la peine. Attends, je repositionne. Ok, voilà, ça y est. Donc, alors, oui, alors les VR. Alors, j'ai. Ah oui, SSB mode, ok. RF metteur, non, ça, c'est pas ça. Alors, AM mode. Ah oui, AM Power, FM Power. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Ils sont tous alignés, quoi. Non, n'importe quoi. AM Power, FM Power d'un côté. Et ah oui, tiens, il y a l'eau. Ah oui, il a le réglage. Je vois l'eau power. Il a le réglage de la puissance en façade, celui-ci. Sur règle avec l'ALC. Alors c'est en haut à droite
pour la LC. Après, juste après la MFM Power. Et à l'opposé, en bas à gauche, c'est celle qui se règle pour régler le calibre à la fréquence comme il faut. Ouais, ok, je vois ça, oui. D'accord, ok. Je vois là le VCO, la L405, alors attends, j'ai pas d'explication dessus. C'est la L405, non, qui permet de régler la fréquence? Attends, j'ai le son de seconde, j'ai le plan pas loin, je vais l'attraper. Ouais, d'accord. J'ai en profité pour voir. Ouais, j'avais déregistré les breaks. Bon, je vais monter le volume. Alors, les stations qui iraient en fréquence là dans le lointain, en avant, allez-y, on vous laisse la place. Il m'a semblé entendre quelque chose, c'est très 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 noyé, c'est vraiment à décortiquer dans les QRM. Les 2713-51, les stations, voilà, de la part du QSO national là, du Sud-Ouest. Alors, dans le QSO, pour le moment, il y a Philippe, 14, Roméo Charlie, 021, qui est sur le département 40. Il y a Eric, 14 Victor Eco 27, Sud Bordeaux, et moi-même, 14 ODR 002, à l'est du département 33. Alors je ne sais pas si de votre côté vous avez bien la copie, pour l'instant on n'est que 3 dans le QSO, bien souvent c'est après 21h30 que les OM arrivent. Pouvez-vous revenir pour voir, pour essayer de la jouer? J'aimerais bien savoir là, un peu là, qui c'est qui est en fréquence. Enfin, arriver à entendre qui c'est qui est en fréquence. Est-ce que c'est toi, Pascal, depuis Royan, ou Claudie, voilà, depuis les Charentes? Je sais pas. Retour de micro. Ok, j'ai rebaissé le volume d'un coup. Hein. Ok, Eric, bon, bah, j'ai laissé un blanc. J'ai vaguement entendu quelque chose, mais bon, c'est vraiment là. Il me faudrait un balai là, pour nettoyer un petit peu les QRM. Parce que je suis sûr que j'arriverai à sortir quelque chose de mieux, là, de plus propre. Enfin bon, oui, vas-y, Eric. Ok, donc pour la LAM, la power de l'AM, c'est la VR205. La VR206 pour régler la puissance en modulation en USB, c'est la VR208, voilà. Et c'est la VR211, c'est pour recaler la fréquence en USB. Et la FRFM, c'est la VR, pour la déviation, c'est la VR212. D'accord, ok. Et tu as la VR210 qui te permet d'ajuster la fréquence, la puissance basse. Et tu me dis qu'il n'y a pas de réglage de puissance en façade. C'est là où c'est assez surprenant, quoi. Oui, tout à fait, voilà. Et j'ai oublié, il y a la VR213. La VR213, c'est ce qui permet de régler la...